25 juin sur tout le territoire national. C'est environ 144 000 candidats qui ont subi et prévu cap vote 28 juin qui a venu là. Pour deuxième journée, jeudi mardi, élèves ont gagné pour être capable de composer dans la science sociale et chimie. Dans l'occasion 47e conférence en lundi la presse, le ministère communication recevra hier lundi un directeur général radio et télévision nationale d'Haïti RTNH Gamal Jules Augustin. Dans l'occasion, DG RTNH l'a présenté travail réalisé dans l'institution SILA à perspective ligueye. Unité spécialisée dans la police nationale d'Haïti, en brigade opération intervention départementale, qui est pour Sigre Boy, célébré dimanche 24 juin, 3e anniversaire création. Et puis, à l'étranger, un groupe de 9 pays européens mettait tête ensemble pour capable former un corps d'intervention pour capable porter secours dans l'autre pays ami qui t'a trouvé dans la situation crise humanitaire et catastrophe naturelle. C'est pour ça que nous sommes capables de porter pour nous journal à matin. Nous ne pouvons pas déplacer, nous tournons tout à l'heure. Merci pour fidélité et attention. Nous retournons pour le développement de l'information. Et nous te dit dans le grand titre, examen officiel à baccalauréat pour l'année académique 2017-2018 l'a démarré hier lundi 25 juin sur tout territoire national. C'est environ 144 000 candidats qui ont subi épreuve sa yo, sorti 25 ans pour bouton 28 juin 2018. John Herbie Kasewix et Henri-Robert Chéri, à dire nous comment ça te est. 54 000 postulants sa yo, regroupé candidats réguliers cour et calé qui validé pour subi épreuve baccalauréat à Nessa. Pendant la première journée, candidats réguliers à Récalé yo, composé dans philosophie et biologie. Élèves nouveau secondaire, composé dans biologie, philosophie et chimie. Selon quelques responsables centre examen, première journée a déroulé sans trop de difficultés. L'examen arrivé à temps. Dans l'air, nous besoin d'examen pour nous finir avant de nous faire rentrer dans ça, l'examen est arrivé. Il y a des larmes félicité ministère dans ce sens. Je pense que toute l'école ministère a été fixée, elle a été indexée, elle doit entrer dans la même philosophie. Parce que c'est l'État. C'est un examen d'État. Donc, en tant que d'État, nous obligés à assumer responsabilité. Nous, moi-même, je suis au service de l'État. En tant que serviteur de la République, moi, de l'État, présence, moi, expertise, moi, expérience, moi, sagesse, moi, et pourquoi pas cette capacité, entre guillemets, que le Seigneur doté maintenant. Pour ça, qui vient pour eux, à conseiller ministre éducation nationale et formation professionnelle de la TLNCO, responsable centre examen, promet de faire tout ça qui est possible pour permettre tous les trois jours d'examen de dérouler. Jean-Ministre a demandé ça. N'a toujours été dans la question examen baccalauréat pour première journée. Candidats dans différents secteurs ont été composés dans le matin dans la philosophie et dans l'après-midi dans la biologie. Marie Jolie et Henri Robert Chéri a fait un zoom sur tout le monde, sur les candidats qui ont une déficience sur sa curie handicapée. En nous suivant le reportage. Plus passé 144 000 candidats, parmi eux 14 handicapés, 6 aveugles, 5 sourds, 3 handicapés à moteur, a participé dans la session ordinaire baccalauréat pour l'année académique 2017-2018. Là. Pour première journée, candidats ont été composés dans philosophie et biologie. Responsable centre institution adventiste auditorium la Bible, côté candidat qui gagne déficience physique, yo a subi épreuve. Saïd Brunel a expliqué qu'il n'y a pas enregistré aucun cas d'irrégularité pour premier jour. Candidat a été présenté à l'heure sans compter texte qui, d'après lui, te paraît facile. Auparavant, Timon avait composé avec machine dactylo. Puisque pas gagné machine dactylo pour avec yo. Puisque les machines dactylo pas sur les marchés, le ministère n'a pas joué une machine dactylo pour acheter pour vous. Nous sommes obligés d'utiliser notre méthode si encadreur. Encadreur n'est pas là pour la poule, ni pour les là pour encadrer pour vous avec la dictée, nous voyons dictée et résultat, ou soit ça mette à, et puis encadreur a écrit pour vous à cause de problèmes machine dactylo qui va gagner. Mais auparavant, les avons des machines dactylo pour fixer les machines et nous voyons composer. Sans lui pas besoin d'encadrer, seulement encadrer à la pour garder s'il est la blanche ou soit s'il font faute
pour aider le corriger pour aider passer le kit PP parce qu'elle pas prêt pour le passer le kit PP mais malheureusement puisque pas de machine dactylo nous obligé utiliser un cadreur qui pour écrit pour yo mais yo même si un cadreur avec écrit pour yo mais c'est ça yo dit un cadreur écrit mais c'est pas ça encadré à écrit. Un commissaire responsable examen officiel yo dans ministère éducation nationale et formation professionnelle Saïd Brunel a précisé plus loin toute disposition te déjà prend pour faciliter candidat avec besoins spéciaux bien composé. Aujourd'hui nous pas gain problème, tout candidat nous venir nous pas gain absent, tout candidat nous présent et n'a déroulé assez bien et n'a pas après, on va terminer avec le premier examen qui c'est philosophie et le deuxième examen qui est biologie. Nous allons pour monter M.C. Younan parmi les transcripteurs qui gagnent pour monter dans le lycée filmé pour mal transcrire examen philosophie pour Timon avec eux. Non, biologie pour que les nous portent examen en noir pour l'autre Timon qui a un problème visuel pour qu'à composer et sans difficulté, même à l'autre Timon. Épreuve officielle session ordinaire baccalauréat déroulée sorti lundi 25 ans pour arriver jeudi 28 juin 2018 là dans tout département géographique pays a. Et nous te dit tout dans grand titre dans occasion 47e conférence à la presse ministère communication recevoir lundi 25 juin 2018 là directeur général radio et télévision nationale d'Haïti Gamal Jules Augustin. C'était occasion pour directeur général RTNH la présenter travail li réaliser dans tête deux institutions sa yo ak perspective li gagner. En nous suivant extrait dans déclaration dynamique Rachel Saint-Fort ak Michel Joseph. Émission caravane qui te permet population pays d'Haïti garder qui gère que caravane dans ville lancé sur tout 10 départements. Nous avons commencé avec département sud là d'abord. Nous commencé avec l'Artibonite d'abord. Nous avons metté et caméra nous sur tout ça que t'as fait dans l'Artibonite. Après ça nous te suivre caravane qui t'a atterri dans sud et puis nous te remonté dans Port-au-Prince côté que nous président de la République là t'es lancé caravane dans tout département dans pays là et jusqu'à présent mesdames et messieurs pour nous mêmes cap garde télévision nationale d'Haïti et nous prenons rendez-vous déjà chaque samedi de 5h de l'après-midi, ou ap gade caravane changement. M'pa ka inventer travail yo, m'toujours dit, travail yo ap fait vrai, les images sont là et image yo là puis yo parler pour tête yo. Nous gagne plus l'autre émission encore k'ap vini. Par exemple, nous pral prendre été 2018 là. Et TNH avec Radio Nationale lancé ça orelé été chaud. Été chaud pral gain plusieurs émissions d'elle. Son brillier, c'est comme dit son brillier. Son façon pour nous vendre été a. Nous avons été chaud, mais en dehors été chaud, il y a plusieurs autres activités d'été qui ont fait en dehors. Par exemple, nous avons une course bicyclette. Nous avons fait des courses bicyclettes pendant l'été, nous avons fait le mondial la fin pour nous capables de lancer l'activité par nous. Nous avons un championnat domino que nous avons fait en dehors de la télévision. Nous avons tout championnat basket des rues. Et c'est tout son 3-3 qui a fait dans la rue, qui a fait pap-pap. Nous voyons exactement ce qu'on a fait, si on a fait dans la côté NH là, ou bien si on a pris et tiré sous côté A. Nous sommes en négociation avec la mairie et de Delma pour nous connaître qui gens que nous avons lancé. Nous sommes aussi en train de négocier avec plusieurs autres et chaînes câblées à travers le monde. Pourquoi ça me dit ça? Parce que en Haïti, TNH vous est gratis, chéri. Je vais tout profiter de parler ça dans la conférence. Dans tout. Et m'écrit New TV sous ça. Nous écrit et New TV, nous écrit Télé Haïti sous ça. Nous écrit Canal Plus sous ça. Tout. Nous passons à travers Konatel pour nous faire. Je vais tout profiter de demander pour respecter la loi PIA qui dit que télévision nationale gratis, chéri. C'est-à-dire que même si vous avez un abonnement New TV, même si vous n'avez pas payé, vous supposez que vous avez TNH. Vous avez coupé toute votre chaîne. Mais vous n'avez pas le droit de couper la télévision nationale. Parce que la télévision nationale n'a pas vendu dans le pays d'après la loi 4 qui était fait, nous n'avons pas vendu en Haïti. J'ai accédé à la radio en novembre 2017. Je suis venu dans la radio et je suis capable de dire que j'ai hérité d'une radio qui n'est pas sous bande FM. Là. Même là, elle était présente, mais c'est parfois le marché, parfois elle pas marché. En plus, je n'ai pas senti force radio. La radio nationale était perdue d'identification, elle n'a pas de valeur encore. Sous bonne FM. Qui ça nous a fait? Première décision que nous avons prise ensemble avec la commission responsable média d'État, nous avons chita ensemble pour nous développer une stratégie, pour nous développer une façon pour nous développer la radio nationale monter encore. Nous avons fait choix, nous avons mis le choix sous dos Edwin Lozama comme coordonnateur général radio, quelqu'un qui s'y connaît, un monde qui connaît la radio très bien, qui devine un cadre moins. Et puis ensemble, nous avons décidé que
encore une fois, premier changement pour faire, c'est passer main dans la programmation. Nous avons passé main dans la programmation Radio Nationale, qui fait que je dis à la Radio Nationale, même j'en étais en avant, Black Attack fait plat à 5h du matin debout. À 5h du matin, nous même nous là pour nous donner information, pour nous dire qui ça a passé. Et l'autre changement que nous avons fait tout dans la Radio Nationale, nous avons deux fréquences, tout le monde connaît. Nous avons 105.3, nous avons 102.1. Nous au commencement, font y faire 102.1 pour nous ajuster en façon pour nous mettre 102.1 pour ba nous couverture nationale là. 105.3, li ba nous couverture zone métropolitaine là qui a marché très bien. 102.1 c'est pour couverture nationale là qui installé déjà Delpech. Nous tout ta capable image ça sur télévision nationale installation qui était faite Delpech et qui mettait nous déjà à 75% de la couverture nationale de la radio nationale. Li rete nous pour nous stabiliser et commission média d'état a fait informer tout à l'heure là que nous très proches pour nous capables et joindre l'argent que nous besoin pour nous capables finir couverture nationale là. So me pense que sous peu mais des équipements yo là nous pas l'acheter yo et les techniciens sont prêts. Moi même personnellement le plan est déjà là, plan détaillé, nous t'ai présenté plan déjà par l'état haïtien, so yo connaît qui gens que nous pas l'exécuter. So me capable dire que bientôt pour la RNH et pour la télévision nationale d'Haïti, les 27 750 km² n'a couvri yo. Toujours en cadre conférence pour la presse là, directeur général là, Radio Télévision Nationale d'Haïti, Gamal Jules Augustin parlait sous ensemble mais il direction n'en prend à niveau administration de SSAO pour permettre de fonctionner comme ça droit. Puis loin DGRTNH là expliquer mais ça yo respecter ça la loi sous fonction publique là exiger. Toujours l'ami Rachel Saint-Fort avec Michel Joseph. Au point de vue administration, nous prenons pile décision tout. Il y a eu beaucoup de changements, je dois vous le dire. Et il y a pile changement que gamon qui dit que peut-être que nous pas de choix à faire, mais nous pas de gain choix. Et par exemple à la Radio Nationale, on a dû faire des changements au point de vue de l'administration. Et il y a pile des autres, nous tout profiter nous là. Là on parle de corruption. Et m'a tout profiter pour passer un petit trait sur ça. Lorsque un administrateur en radio qui prend ça le son en 4 débit, c'est du désordre. Du désordre et l'action publique est déjà en mouvement, la justice est déjà au courant. Nous-mêmes, nous faisons travail par nous. Nous avons cherché, il est peut-être porté disparu pour le moment. Mais cependant, les dossiers sont là et nous, l'État haïtien a plat pour être capable de défendre cause par là. Parce que et corruption, le gouvernement a goumé contre corruption. Nous-mêmes, point de vue corruption, tout. Si on parle de récemment, l'État haïtien a demandé pour tout chèque rentré, c'est direction pour payer chèque. Et à la Radio Nationale, on a eu peut-être 12 employés que j'ai jamais vus, que finalement je viens rencontrer, qui étaient venus chercher chèque. Dans le pile, on a eu un cap travail ailleurs. On était obligé de prendre des décisions contre eux. De dire que soit travail, par exemple, il y a un citoyen Babal Nomenon qui travaille à l'EDH et puis il travaille à la Radio Nationale. So, je suis obligé de faire un choix. Parce que l'État a gonjé que l'opérer, nous avons des jeunes et, qui sont qualifiés, qui cherchent un emploi. Qui n'a pas qu'à jouer un emploi pendant que y a une série de monde tout qui prend avantage sous l'État. Nous jouons des hommes tout qui vivent à l'extérieur du pays. Mais chèque était toujours à déposer. Quand nous camper ça, il y a plus de direct déposit. Il n'y a pas qu'à payer un ticket pour chèque là. So, chèque là maintenant mais nous. Et ça nous fait nous-mêmes, nous baillons, ça aurait les abandon de poste. So, automatiquement, nous baillons abandon de poste. Et nous respectons la loi fonction publique, l'agent, la fonction publique l'a dit pour avancer. Là. Yon l'autre côté, directeur général RTNH la annonce y a continué ak programme emploi à temps partiel pour élèves l'école yo. Côté élèves sa yo ap gen pour capable travailler nan niveau archive radio ak télévision d'état. Et DG RTNH la expliqué y a travaillé pour rajeunir média l'état sa yo et puis annoncé yon processus recrutement nan mois ka vini la yo. Annonce vous extrait. Avec assistance gouvernement, parce que nous demandons des équipements gouvernementaux et des équipements pour le travail, administration Moïse Dafontan, nous commençons à rentrer dans l'archive télévision. Un archive que personne n'a pas rien depuis 1979. Mais c'est l'archive ça qui gagne mœurs nous. C'est l'archive ça qui gagne coutume nous. C'est l'archive ça qui gagne culture nous. Alors actuellement là, nous dans l'archive là, nous gagnons des élèves comme nous faisons chaque année, nous faisons l'année passée déjà. Nous prenons des élèves qui étaient soutenus dans. Les écoles secondaires de la République d'Haïti, bon, pas de la République d'Haïti, de Port-au-Prince, excusez-moi, nous n'avons pas force pour nous faire sur toute la République d'Haïti. Hein. Mais nous dépendons des élèves, 10 qui deviennent faire et emploi à temps partiel
qui devient travailler dans la télévision, nous avons payé un petit cob pendant 2 mois. Et mais nous refait même programme là encore année ça et nous pas prendre élève ça. Nous pas permettre que ces élèves ça qui travaille dans l'archive là. Et tant qu'on est toujours à l'école, parce que vous pas apprendre de ce qui est fait en 79, vous pas apprendre de ce qui est fait en 1980, vous pas apprendre de ce qui est fait dans l'histoire du pays. Alors, c'est là que nous y est avec Radio Télévision Nationale d'Haïti. Et nous travaillons tout, ça qui est très important pour moi. Il y a des gens qui ne parlent pas, mais je me dis là. Mais nous travaillons tout sur le rajeunissement média d'État. Parce que sans rajeunissement média d'État, nous pas de gain aux médias encore dans 10-15 ans qui viennent. Il faut que nous commençons à rajeunir. Et pour nous faire ça, nous pas faire l'arbitrairement parlant, nous accompagner les grands, je veux dire comme ça, et les gens qui ont plus d'expérience passée, nous accompagner pour être capable de prendre retraite. Et c'est ça que fait jodi à là, nous capable de dire, entre télévision avec radio, nous croyons que nous avons 15 de monde qui ont un fil retraite qui est en passé, ça qui permet nous, à partir de septembre, pour nous faire l'autre recrutement, encore une fois, j'aime dire, avec l'OMRH. Nous prenons dans le domaine de sécurité, brigade opération intervention départementale, pour célébrer le 3e anniversaire création dimanche 24 juin 2018. Dans l'occasion, nous avons un pour dire merci de chanter dans le local. Boyla. Nous suivons le reportage avec Dalina Dorival et Wilson Idore. Brigade opération intervention départementale Boy célébré 3e anniversaire depuis yo existé dans la police là. Cérémonie ça déroulé dans local unité qui trouvé dans quartier fort national. Côté plusieurs agents Boy a regardé police nationale d'Haïti participer dans activité pour marquer date ça. Parmi yo, yo mes actions de grâce. Dans l'occasion, le responsable Boy là, commissaire Fernel Saint-Til, rappelait la mission agent yo qui s'est lutté contre la criminalité, côté qui plus difficile yo, renforcer commissariat et sous-commissariat dans tout département yo. Commissaire Saint-Til encourageait tout agent Boy yo continuer à respecter engagement et mission yo pendant qu'il a fait ça la loi mandé. Les policiers sont constamment en première ligne face aux violences, aux incivilités, à l'irrespect, à la recherche des délinquants sur la voie publique au péril de leur vie. En ce sens, on peut dire qu'il existe des héros du hasard qui sauvent leurs prochains à un moment de leur vie. Mais il en est d'autres qui ont fait de cette possibilité leur devoir et leur engagement de chaque jour. C'est le choix que vous avez fait. C'est un choix remarquable, car il n'y a jamais d'intervention banale dès lors que des vies humaines sont en jeu. Par votre engagement et votre dévouement, vous incarnez le modèle idéal d'implication active dans la lutte contre la grande criminalité qui tend à s'installer petit à petit dans l'aire métropolitaine. Brigade opération intervention départementale Boy, c'est une unité spécialisée police nationale d'Haïti qui gagne 254 policiers. Député circonscription Jérémien Gladys Saint-Jean lundi expliquait département Grand-Anse a fait face à gros problèmes en sécheresse côté depuis plusieurs mois la pluie pas jamais tombé. Une situation qui la cause habitants dans particulièrement ville Jérémie a perdu jardin. Député Jérémie a profité fait connaître population dans circonscription a fait face à divers problèmes tant qu'aux soins santé et puis problèmes courants. En nous suivant extrait dans déclaration de Namiko Saint Kwapaki et Moïse Zubrich. Moun yo sécheresse doublée de tout l'autre problème que yo gen, qu'on a ouvi une sécheresse qui et faire rage parce que la pluie pas tomber pour permettre que même si nature est capable lui-même fait que et plante produit pour contre koyo, mais malheureusement la pluie qui pourra arroser qui pour permettre que lui tomber et Saint Jérémie situé c'est pas deux zones qui ou qu'a fait de et travaux d'irrigation là dans ni. Donc c'est pour dire que bah la li machiavélique li difficile et si pas gagné vraiment une intervention urgente qui fait sous la grandance, moi même moi crois que mon y a enregistré le pire.
Et c'est là nous faisons un chapitre local, là, nous prêlons à l'étranger, nous parler particulièrement de crise économique, la guerre économique qui gagne entre pays États-Unis avec Union européenne. Et bien, gagne Harley Davidson, qui c'est célèbre marque auto-américaine, qui dit que les prêlons fermer quelques usines au niveau du continent européen, dans quelques pays Union européenne, particulièrement par rapport à la décision Union européenne prend pour capable d'augmenter taxes pour répondre à la décision de Donald Trump. France, Allemagne, Belgique, Danemark, Pays-Bas, Estonie, Portugal, Munich, c'est 9 pays qui mettent tête ensemble pour capable créer une structure qui a permis de faire intervention rapide dans un pays ami qui a un problème, surtout dans le cadre de conflit, crise humanitaire et catastrophe naturelle. Nous prenons le dossier Coupe du Monde dans le pays Iran, et bien régime iranien, et bien gagné mesdames qui pas gain droit à aller dans le stade pour regarder match football. Cependant, pour Coupe du Monde, le régime iranien fait une exception côté mesdames capable aller dans le stade pour regarder le football sans problème, surtout match Coupe du Monde. C'est sous dernière information, ça n'a pas mis un bout dans le journal là, mais avant nous aller, permettre que nous rappelions un grand point qui dominait l'actualité. Examen officiel baccalauréat a démarré hier lundi 25 juin sur tout territoire national là. C'est environ 144 000 candidats qui ont gagné pour capable cibler et prévu jusqu'à 28 juin qui a venu là. Pour jeudi mardi, qui c'est le deuxième jour examen ça yo, élèves yo a bien pour capable composer dans matin dans sciences sociales et puis dans l'après-midi dans la chimie. Dans l'occasion 47e conférence lundi la presse, ministère communication recevoir lundi, directeur général radio et télévision nationale d'Haïti RTNH, Gamal Jules Augustin. Dans l'occasion, directeur général RTNH l'a présenté travail réalisé dans tête deux institutions SILAYO à perspective légale. Unité spécialisée dans PNH là qui gagne nom brigade opération intervention départementale Boy célébré dimanche 24 juin 3e anniversaire création. Et puis à l'étranger, un groupe de 9 pays européens mettait tête ensemble pour capable former une structure qui a porté secours rapide dans pays amis dans cas de crise humanitaire à catastrophe naturelle. Et nous te comptons ensemble avec vous pour être capable de présenter au journal ça, mais pas oublier, rendez-vous avec un match Coupe du Monde là à 10h. Premier match journée, il y a deux matchs à 10h. Puisque nous parlons dans le groupe C aujourd'hui là, c'est la France qui a gagné pour capable de toquer connu avec Danemark. La France qui a 6 points, Danemark lui-même qui a 4 points. Et puis, il y a gagné l'autre match qui c'est Pérou qui a 0 points, qui est déjà éliminé. Australie lui-même qui a possibilité pour capable de qualifier tout, puisque il y a 1 point au cas où il est qualifié. Pérou et puis Danemark lui-même, l'État calé la France, eh bien, c'est prêt à la première confrontation sa yo pour 10 jeunes en matin que Jérôme Franck Saint-Ville à Gracien qui a bien pour capable porter pour nous. Et puis à 2h, tout le monde prêt devant la télévision pour capable suivre match ça, particulièrement entre Argentine et Nigeria. Argentine qui gagne 1 point, Nigeria qui gagne 3 points. Yo prêt capable de garder est-ce que c'est le dernier match Messi pour Coupe du Monde là, puisque Argentine gagne obligation pour les capables de remporter match pour capable espérer qualification puisque Islande a joué à Croatie qui a déjà gagné 6 points. Islande lui-même qui a gagné 1 point qui a gagné possibilité tout s'il calé Croatie pour que les capables de qualifier. Et bien c'est Guy Petit Frère, Webens, Pressimé, Miguel Pierre qui a gagné pour capable porter match football ça yo pour nous. Nous te contactons avec vous, nous souhaitons passer un très beau matin sur le territoire national d'Haïti à demain matin.